Jeudi soir, le siège d'En Marche, rue Sainte-Anne, niché au cœur du quartier japonais de Paris, accueillait un événement d'envergure. Christophe Castaner présentait le MOOC qui va révolutionner la France. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette véritable révolution démocratique, un MOOC, c'est un cours ouvert à tous, en libre accès et gratuit. À l'origine, il se proposait par des écoles, des universités très souvent prestigieuses Harvard, MIT, Stanford, l'EC, l'école polytechnique, Sciences Po, l'école normale supérieure, et des plateformes de formation. Mais dans sa quête de modernité et de construction collective de la société, le parti d'Emmanuel Macron propose désormais ses propres MOOC. Donc, moi, je ne sais pas du tout ce que je dois raconter, enthousiaste, souriant, le nouveau délégué national de la République en marche a pris la parole devant un public très bon chic bon genre avant de participer à un quiz sur les compétences territoriales avec les marcheurs. Mais, dès le début de discours, Casta, qui reste secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, ne semble pas très à l'aise avec le concept du MOOC, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je ne sais pas du tout ce que je dois raconter, donc ça ne va pas être simple. Non, je blague. On m'a fait une note. Mais surtout, moi, j'ai envie de vous parler de cette société de l'engagement, et loin d'être un geek Christophe Castaner maîtrise-t-il les nouveaux concepts numériques sur lesquels s'appuie partie et qu'il doit mettre en avant le point à lui à poser quelques questions pour en avoir le cœur net. Et, de propre aveu, l'ancien maire de Fort-Calquier est loin d'être un geek.